Salut à vous et bienvenue pour ce pré-mortem du Mega Monster Lab. Comme vous pouvez voir, j'ai pris un HC06 en Bluetooth qui me permet de communiquer avec Mega. Là, c'est un Arduino Mega en dessous de tous ces câblages. Ce Arduino Mega est raccordé niveau des pins 23 à 55 à 53, 22 à 53, pardon, sur des relais. Vous pouvez voir ici que on a des relais solid state pour les silencieux ici. Ici on a la même chose mais en inverse. Ici on a un relais classique et là on a le fameux octocoupleur vu que j'en ai bladé chez moi. Donc j'ai différents relais disponibles basés sur l'ensemble des trucs ici. Donc si vous voulez utiliser ça, vous pouvez utiliser 4 relais moins une pile. Donc si vous utilisez que cette longueur-ci. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quitte à avoir des relais, autant utiliser les trucs qui sont là-bas et je vais pas commencer à mettre d'autres relais parce que ça devient n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai mis ici des audio jacks pour pouvoir faire des tests de diffusion d'entier. Donc, ces audio jacks, en fait, on peut mettre des petits boutons. Donc, ça ressemble à ceci, un audio jack de type bouton. Et on a un petit bouton ici. On prend l'audio jack, on le branche là-bas. Hop là, et c'est bon. On peut l'utiliser pour diffuser des entiers ici qu'on va pouvoir utiliser sur le PC ou sur le téléphone. Donc ici, basiquement, l'idée c'était d'avoir des audio jacks pour toutes les pins ici. Alors, vous ne pouvez pas utiliser la pin 0 et la pin 1 parce que c'est celle qui sert pour ici pour l'USB, hein. Donc vous ne pouvez pas utiliser celle-là. Et je pourrais utiliser la pin 13, mais je ne l'ai pas utilisée parce que la pin 13, ça correspond à la LED qui se trouve ici. Et si je veux plus tard allumer de la lumière dans mon appareil, bah, autant garder la pin 13 pour ça. Donc j'ai pas utilisé la pin 13. Niveau de l'analogique, vous pouvez voir que j'ai fait un petit peu de travail là-bas. Niveau de l'analogique, sur le Mega, on en a quand même 16. Et 16, ça représente 8 joysticks. Du coup, bah, j'ai été tenté. Donc j'ai été regarder comment on fait pour faire des joysticks de ce type-là. Vous pouvez voir. Donc ces joysticks de ce type-là, comme vous pouvez voir, l'idée c'est juste que vous avez un ground, volume 5, volt, pardon, une redirection du voltage en X et en Y. Donc on a deux signaux, un ground et un volume. L'idée ici c'est que si vous branchez ça ici, vous avez un audio jack avec 1, 2, 3, 4 embouts. Et ces 4 embouts vont correspondre à ce que vous avez mis de l'autre côté. Donc ici, j'ai fait correspondre les couleurs des deux côtés, hein, histoire que je ne me trompe pas. Et vous pouvez voir ici que... attendez, je vais diminuer là. Voilà. Hop, hop, hop. Vous pouvez voir en fait ici qu'on a... On a ici en fait le ground, on a le voltage. Étant donné que il n'y a pas besoin de faire une distinction quand on lit un signal, je les ai mis sur la même fuite. Donc on a tout ça qui est du volt, tout ça qui est du ground. Puis on a ici en fait à chaque fois un signal au deuxième, un signal au deuxième, un signal au deuxième, un signal au deuxième. On sépare ici parce qu'il y a un trou dans le méga ici. On recommence avec tout ça et on se retrouve avec une petite plaque où on peut lier tous nos câbles. Donc derrière, tout ce que j'ai fait, c'est de passer les câbles et de les souder ici. Vous voyez? Donc ça va me permettre en fait d'avoir ces magnifiques câbles-ci qui vont du coup se relier à ceci. Comme vous avez pu voir, ici on a le ground, le volt là. On a un truc que j'ai pas utilisé qui est le bouton. Je pourrais utiliser à accorder. Aux autres qui sont là-bas. Pour le moment, je ne les ai pas utilisés. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Il faut faire attention que si vous mettez du courant sur les deux ici, vous pouvez faire péter votre Arduino Mega. Il n'a pas brûlé dans mon cas, mais c'est vrai que ça peut être dangereux. Donc en fait, si vous le faites vous-même, ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, si vous aimez les PlayStation, les petites manettes de PlayStation, vous pouvez aussi, celle-ci, vous pouvez aussi essayer de souder dessus. Et d'arriver à les utiliser. Bon, c'est pas très pratique, je trouve, mais à souder, c'est super compliqué et je me suis raté sur un et sur le deuxième, c'est à peine si j'ai réussi. Mais vous pouvez faire ça. Alors, le problème, c'est, j'ai cherché un exemple.
En fait, voyez, ceci, c'est un joystick aussi. Donc, basiquement, vous faites juste ceci, comme ceci. Et quand vous en avez deux, vous avez un joystick, basiquement. Attendez. Quand vous en avez deux, vous avez un joystick. L'idée, c'est que ici, via le voltage, et ici, sort le voltage. Et vu que vous avez une résistance, une partie de l'électricité va partir sur le signal et vous allez pouvoir en fait avoir deux joysticks qui correspondent à un joystick 2D. Donc un joystick 2D, c'est deux mini joysticks comme ça à l'intérieur. Il y en a un qui se met comme ça et un autre qui se met comme ça, je sais plus. Et on se retrouve avec un joystick 2D. L'idée ici, c'est que vous devez faire attention. En fait, là, à la sortie, il vous faut des résistances en fait. Et si vous mettez pas des résistances, ici vous ne pouvez pas les voir parce que je les ai planquées. Est-ce que j'ai un résistant? Non, il faudrait que je sorte mon téléphone, mais j'ai pas pris les photos, je les ai pas mis sur le PC. Mais vous devez avoir deux petites résistances à la sortie parce que sinon vous risquez de cramer votre appareil. Et de toute façon, il va sauter si vous mettez pas des résistances. Et donc voilà, basiquement, ça que je voulais dire, c'est faites gaffe à ça. Donc on a ici, vous pouvez voir qu'on a juste le voltage qui arrive ici, qui se divise en deux, qui vient se mettre sur des petits pins d'arcade, qui viennent se mettre là. Et alors de l'autre côté, bah c'est juste les résistances de ce côté-là et le signal de l'autre. Donc c'est assez simple en soi, il faut juste faire gaffe de pas se tromper. Et une fois que vous avez ça, bah c'est bon, vous avez des petits joysticks de ce côté-là. Donc que dire ici? Comme vous pouvez voir, le problème c'est qu'on a souvent besoin de voltage ou de ground, que ce soit pour celui-là, que ce soit pour celui qui est ici, celui qui est ici. Donc j'ai tendance à utiliser des sucres et à mettre le truc dessus. Petit truc sympathique que je ne savais pas à l'époque, c'est que ici, là-bas, pas si vous voyez, j'essaie de trouver le bon angle. En fait, ici, vous avez le bloc. Et en fait, on peut voir que le bloc là-bas, pas si vous voyez, le bloc qui est ici, c'est du volt, du 5 volts. Et le bloc qui est là-bas, en fait, c'est du ground. Donc, en fait, vous avez du ground et du voltage que je n'avais pas vu qui était disponible là-bas. C'est très, très pratique. Et donc, voilà. En plus de ce que vous avez déjà. Que dire, à part le projet en soi est assez simple, hein, c'est juste ça. Niveau du code, à quoi ça ressemble? Hop, 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 vous pouvez voir qu'il y a des relais qui se trigger. En fait, le problème, hein, c'est que quand vous faites ces câbles-là, vous allez vous planter. Il y a un moment donné où vous allez vous planter, vous allez mettre un câble là où il faut pas. Donc dans le code, ce que je vais vous montrer maintenant, hop, hop, hop. De le remettre correctement pour que vous puissiez voir quand je débug. Voilà. Ok. Au niveau du code, à quoi ça ressemble? Il est sur GitHub, hein, donc si vous le cherchez, il est cherché ici après hardware, Integer, machin. Là, vous avez tous les codes que j'essaie de faire sur les hardware pour transformer en entier. Dedans, il y a Mega 200, 2560 et là, il y a Mega Monster avec une petite description ici que je mettrai sûrement pour décrire un peu 2-3 photos. Mais basiquement, vous avez le code de Mega Monster. Vous avez un truc qui permet d'envoyer des informations qui risquent peut-être de changer de place. Mais surtout, vous avez le code INO ici qui est celui que je vous montre pour le moment. Donc dans ce code, qu'est-ce qu'on a? Je vais diminuer un peu la photo pour être sûr que vous ne perdiez pas des infos. On a besoin de transformer des bytes en entiers, vu que l'entièreté de ma librairie est basée sur des entiers de l'autre côté, hors Arduino. Du coup, ça nous fait une petite perte au niveau de la transmission, mais c'est voilà, je préfère avoir une perte de la transmission et rester en entier que de commencer à réavoir une nouvelle lib à l'intérieur des Arduino. Donc ça convertit de Little Endian, des bytes en Little Endian, et on veut faire l'inverse, donc on a convertir un entier en byte Little Endian qu'on va pouvoir envoyer de l'autre côté. Little Endian, c'est est-ce qu'on lit de gauche à droite ou de droite à gauche, si je dois le résumer en gros.
Ici, on déclare évidemment ce qu'on veut utiliser et on stocke les valeurs. Il faudra que je le fasse plus tard une version où on aura la précédente pour détecter les changements et tout, mais pour l'instant, je suis contente de ça. On est dans un pré-mortem, hein, pas dans une conclusion de projet. 1024, c'est les données qu'on a en analogique, mais moi je les convertis en neuf pour les stocker sur des entiers pour que je puisse faire des choses de ce type là. Si vous regardez mes vidéos, vous savez ce que je veux dire. Voilà, vous voyez que par exemple, ça c'est comme ça que je stocke les manettes. Donc 18 pour dire c'est une manette, 99 pour dire que c'est un acte qui va de 0 à 99. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la suite du programme, j'ai envoyé toutes ces informations-là en version 9, je les ai envoyées à l'extérieur. Et donc, du coup, ça ressemblera sûrement à quelque chose comme, je sais pas moi, 11, et puis on aurait comme ceci. Donc, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on aurait 8 valeurs comme ceci, puis on aurait sûrement un truc comme ça, du coup. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, comme ceci. Et puis en fait, il nous faut les booléens. Alors, niveau des booléens, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 booléens. 11 booléens, ça fait 2 bytes. Donc en gros, si je stockais ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 bytes, ça fait 9, 9. Donc là, l'entièreté des pins ici sont stockables juste sur ça si on les met en binaire. Si on les met pas en binaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on n'aura pas assez de place si on ne les met pas en binaire, donc on devra les mettre en binaire. Et donc, voilà. Donc ça, c'était pour dire, ça, c'est la déclaration de ce qu'on a besoin au niveau des pins. Sauf que j'ai pas mis les pins qui se trouvent là-bas. Donc les pins principales, hein, basiquement. Hop, hop, hop. Les pins qui se trouvent là-bas, je les ai pas mis. Parce que le remapping se fait plus facilement dans un switch que dans un tableau. Et donc du coup, je les fais plus bas. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un truc qui s'appelle Map Real Pin from Wanted Pin. Basiquement, on va me dire je veux changer la pin numéro 23, sauf qu'en fait, c'est pas vraiment la 23 que je veux, c'est une autre quoi. C'est peut-être la 22, peut-être la 25. Moi, ce que je veux, c'est dire bah, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, mais en disant bien que c'est la 23, que c'est la première qui se trouve là-bas sur ce truc-là quoi. Donc, l'utilisateur, lui, va vouloir me dire je veux la pin 23, mais sur la réalité du terrain, il faut que je remappe pour être sûr que ce soit dans un ordre qui va de gauche à droite. Et que ce soit pas aléatoirement partout dans tous les sens quoi. Parce qu'en fait, si je fais pas ça, vu que je me suis planté au niveau du câble, ça va faire poup 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 poup. Et des fois, ça va faire poup 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 poup. Donc, pour être sûr que je puisse remapper ça, c'est ça que je fais ici. Puis voilà ce que tu voudrais et voilà la réalité du terrain au niveau du câblage. Donc, vous pouvez voir que il y a tout un remapping ici. Je décale un petit peu les cases comme ça quand je suis dedans. Pour voir bien les groupes de 8, parce que les relais font 8. J'ai des relais de 8. Et vous pouvez constater qu'on a un relais, deux relais, trois relais et un relais moins 1. En fait, de là, de ici, on est à 53 et là, on est à 22. Donc en fait, vous avez non pas 32 pins disponibles sur le truc qui est ici, mais 31. Donc du coup, j'ai dû sacrifier un pin ici en disant, bon, bah tant pis, il y en aura de moins. Et pour le moment, c'est celui qui se trouve là-bas. Celui qui est allumé là-bas dans le coin, ici, c'est celui qui est que je laisse tomber, qui sera toujours allumé ou toujours éteint. Voilà. Alors, le truc, c'est que ça, c'est un relais inversé et ça, c'est un relais inversé. Ce qui veut dire que quand vous l'achetez, il faut faire vraiment attention de est-ce que vous voulez qu'il soit directement en allumé par défaut ou en état par défaut. Certains, vous pouvez le changer en changeant la pin qui se trouve ici ou simplement en changeant là-bas. Mais voilà, celui-là par exemple, j'arrive pas à le gérer donc j'ai pas envie de brûler mon truc donc j'y touche pas. Celui-là, je pourrais, mais autant les laisser comme ils sont.
Donc niveau, ici, cette table-là, elle permet de dire bah, est-ce qu'on inverse ou pas. La vat 3, est-ce qu'on l'inverse? La vat 4, est-ce qu'on l'inverse? Etc., etc. Donc du coup, ici, on a MEV pour avoir un raccourci. Je vais sûrement les renommer parce que c'est moche de mettre ça comme ça. Mais MEV, c'est pour dire, bah voilà, on remap et on remap le voltage avec l'inverse. Ici, l'utilisateur peut me dire, donc moi le développeur peut dire set relay. On lui donne le pin qu'on aurait bien voulu et l'état qu'on aurait bien voulu. On le remap et on écrit. Et tada, on a un magnifique relais qui peut être allumé et éteint. Donc ici, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur il doit m'envoyer quelque chose via ça. Comme vous pouvez voir, toute ma librairie est basée sur des entiers, donc je convertis ça en entier. Donc on a une méthode qui s'appelle dealWithReceiveInteger, et grâce à ça, on va pouvoir prendre les entiers et les associer à une action. Donc ici, par exemple, pour le moment dans ce projet-là, ça peut changer. Si quelqu'un écrit 13 devant, puis qu'il laisse des 0,0 et puis qu'il met 1023, bah 1000, ça veut dire je l'active, 2000 désactive, 23 c'est la pin, et donc ici on a 7 relais à 23. Et donc ici, basiquement, on va allumer la pin théorique 23. L'éteindre, attends, false. Ah merde, je me suis planté parce que normalement, ah, généralement chez moi ça veut dire enfoncer. Ouais, il faudra que je vérifie ici. Parce que normalement, 1000 c'est enfoncé et là j'ai mis false alors que du coup ça devrait être true. Donc je vais sûrement devoir inverser ici, mais l'idée y est, hein, c'est juste que vous mettez un nombre, une action. Un nombre, une action, vous pouvez mettre plusieurs actions évidemment. Puis ici j'ai fait des nombres pour chacune des valeurs du relais. Et bon. Du coup, c'est aussi bête que ça. Niveau du reste, on a ici le setup. Donc dans le setup, on va faire un céréal begin 9600. Donc là, on dit sur une vitesse de transmission de 9600, on pourrait aller beaucoup plus haut, mais quand on va plus haut, on a tendance à perdre des caractères en chemin et j'ai pas envie d'avoir ça, surtout sur la partie du Bluetooth. Alors, si vous n'êtes pas sur Omega, il faut utiliser une librairie Serial BT pour faire du Bluetooth. Mais vu qu'on est sur Omega, on peut juste dire bah, prends le Serial numéro 1 qui est disponible. Ici, on a le Serial classique qui est le port USB ici, qui est là-bas. On a ici une zone pour mettre des poids de communication, là-bas, ici, dans la petite zone là-bas. Et cette zone-là, en fait, j'ai mis mon HC06 dessus, avec évidemment un pont diviseur pour que qu'on voit pas ici en bleu, mais chercher après pont diviseur sur Internet, qui va me permettre de diviser le courant. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. HC06. Voilà, donc ça ressemble à ça, HC06. Et pont diviseur, ça ressemble à ceci. Vous voyez, ici on a le RX, le TX, le ground et le volt. Le volt, il est sur du 5 volts. Le ground, il est sur du ground. La pin ici, elle est sur du 3 volts et elle va directement sur du 3 volts, du 5 volts, du 5 volts, je crois. Mais basiquement, ici, le TX, il va directement sur votre Arduino, pas de problème. Par contre, le RX, celui-là, il faut le protéger. Donc du coup, pour le protéger, on va faire partir une partie du courant vers le ground et une partie du courant vers le Arduino. Et donc en fait, pour pouvoir faire ça, il faut mettre moite-moite. Donc ici, je crois que c'est 75 et 150. Pour savoir ça, je sais bien que c'est à chaque fois le double. Mais vu que j'oublie à chaque fois, c'est quoi la valeur, il faut que je retourne sur Internet pour chercher. Et ici, si on va voir, tout, tout, tout. Bon, évidemment, ici, dans celui-ci, ils ne le mettront pas. Mais la couleur du truc devrait normalement donner la liste. Mais ici, c'est. Lui, il a mis 2K et 1K. 1K sur la pin 3. Ouais, donc c'est. Ici, c'est la moitié de celui-là. Donc voilà, basiquement, c'est un peu ça l'idée.
Alors, niveau de ça, donc on commence à discuter avec notre port USB qui est ici. On commence à discuter avec notre truc Bluetooth qui est ici. On pourrait en avoir un troisième parce qu'il y a vraiment la place pour un troisième sur le méga. On décide de dire que tous les trucs ici, c'est des out. Donc tout ça, c'est des out là, toutes les fameux relais. Et ensuite, on les met dans un état particulier. Alors ici, j'ai mis des trucs pour pouvoir dire est-ce que je veux que ce soit un module pin 2 ou un low ou un high au début. Donc ici, selon ce que vous avez mis, ça va soit mettre tout le monde à high, soit mettre tout le monde à low, soit mettre une sur deux. Je vous montre le une sur deux parce que c'est intéressant. False. False. Ici, si je fais play, voilà. Vous pouvez voir qu'elle commence directement en étant une sur deux à l'entrée. Ça permet de débugger, de savoir, ok, est-ce que y a un problème, est-ce qu'elles sont là ou est-ce qu'elles n'existent pas. Vous voyez que peu importe le modèle qui soit ici, il y aura toujours bien une LED allumée pour me dire c'est bon, il est connecté et ça marche quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce système de modulo 2. Read value, le faites évidemment pas si vous avez des feux d'artifice. Hein. Sinon vous allez vous péter la tronche. Read value, pam pam pam. Read value, c'est juste pour dire qu'on veut lire les données et les stocker dans des tableaux. Donc en gros, si je fais appel à read value, je lis les données sur les données digitales, puis je lis les données sur les données analogiques ici. Donc on va faire digital read et puis donner la pin de la lecture et on va la stocker dans le tableau. Alors ici, il n'y a pas de vrai ou de faux tableau, c'est juste je les stocke dans l'ordre des digits. Vu qu'on n'en a pas 36 000, autant directement les stocker dans les tableaux correctement. Et on lit pas évidemment les relais, hein, vu qu'on sait pas, on les utilise. Donc ici, c'est ça. Alors ici, il y a un truc que je ne connaissais pas qui s'appelle map. Et map, en fait, ça te permet de convertir d'une donnée à une autre. Et alors ici, vu que c'est de 0 à 124, bah, j'ai mis de 0 à 9. Le petit problème, c'est que map, il le fait pas bien parce qu'il atteint pas souvent le 9, donc je crois qu'il fait un INT vers le bas et pas vers le dessus. Mais il faudrait que je vérifie ça. Tout ça pour dire, il y a map qui est pratique, pratique. Display full information. Display full information, c'est quand je veux débugger et que je veux voir les infos. À ce moment-là, je dis bah vas-y, affiche-moi ces trucs-là. Les if false, c'est juste pour moi facilement désactiver les rendus. Par exemple, comme ceci, pour les voir ou ne pas les voir. Mais basiquement, ici, ça permet de voir quelle est la pin et son état, et quelle est l'analogique et son état. Surtout quand vous êtes en train de jouer avec ces câbles-là. Donc, au début de la journée, bah, je travaillais sur ces câbles-là, il fallait que je voie leur valeur, et donc ça permettait d'avoir un beau tableau de tout le débogage où on voit la pin et sa valeur convertie. Donc, pratique, pratique. Évidemment, on l'appellera dans la loupe. SendInTigger, bah, là c'est juste pour faciliter le travail, donc je dis bah vas-y, envoie-moi ce chiffre-là. UINT32T, ça veut dire. Eh, mais UINT, je me suis planté là. Pas UINT, c'est INT. INT32T, ça veut dire que je veux un entier signé de 32 bits. On lui donne, il convertit ça en des bytes. Enfin, on prépare un tableau de bytes, pardon. On le convertit en bytes avec la méthode que je vous ai montrée plus tôt. Puis ensuite, on envoie 4 fois 0 et puis on envoie le byte. Alors, envoyer 4 fois 0, ça nous fait perdre deux fois la. Ça nous fait perdre pas mal de bandes passantes parce que du coup on perd deux fois plus de taille alors que des entiers sont déjà gros donc ça fait 8 bytes. 8 bytes, 8 bytes au lieu de 2 si on avait utilisé des caractères et un index de caractères. Genre par exemple on aurait pu utiliser AA comme ceci, ADC et faire des actions. Ce qui nous donne quand même déjà 250 fois 250, soit 6000 et 65 000 valeurs. Mais on n'a pas tout parce que c'est juste des chiffres, donc ça fait genre 3000, 6000 valeurs en faisant ça, ce qui est largement assez. Sauf que moi, c'est des entiers, et donc du coup, bah, je vais utiliser genre KKK comme ceci. Donc ça fait 4 bytes. Sauf que là, vous avez le choix entre essayer, comment expliquer ça?
Soit vous gérez le temps et vous devez gérer le temps et l'envoi des messages pour pouvoir dire quel message arrive. Soit ce que vous faites, c'est que vous faites 1, 2, 3, 4. Et donc en fait, vous retrouvez la situation où s'il y a 4, 0, la suite c'est un byte. Et donc c'est un peu comme ça que je gère la situation. Ça marche pas pour le système avec, où j'essaie d'avoir des index et des valeurs, mais pour le moment ça marche bien. Ici, basiquement, c'est j'aurais pu faire pareil en mettre 0,0 ici pour dire ça. En gros, je sais pas trop comment trouver une. Pour l'instant, j'ai pas la meilleure des solutions par rapport au sujet. Je fais comme je peux. Donc, basiquement, si j'ai 0,0,0,0, ça veut dire que on a un entier, je le convertis et je peux l'envoyer ici. Ou je donne un entier, je dis bah vas-y, convertis-moi ça en 0,0 et en byte pour que derrière il puisse savoir que quelque chose arrive. Pareil dans le sens inverse, vous allez voir. Frame, c'est juste pour pouvoir compter le nombre de frames qu'on veut, où on se trouve dans le jeu. Frame time MS, c'est pour dire qu'on attend une milliseconde dans toutes les actions, pour essayer de ne pas être en nanosecondes. Et modulo 4, c'est INT modulo 4, c'est on va s'en servir plus tard, mais je me souviens plus si. Ouais, c'est l'ADEX, c'est l'ADEX, c'est l'ADEX. ADEX modulo 4, c'est juste le truc qui va dire on avance dans le truc et quand on arrive à plus de 4, on revient à 0. Le buffer, il est là pour buffer, donc pour stocker des informations. Le loop, donc en Arduino, loop, ça veut dire update, ça veut dire vas-y, mets ton code ici. Donc, en gros, on dit si c'est la première frame, on fait quelque chose, sinon on passe à la suite. Frame plus plus, on ajoute une frame. Si la frame est à 200, ça me permet de dire, bah, de temps en temps, j'affiche un debugger. J'affiche quelque chose pour comprendre ce qui se passe. Par exemple, ici, si j'ai demandé d'afficher des debuggers, je vais pouvoir afficher la frame qui est en cours. Send integer to machin, c'est pour pouvoir débugger, j'envoie sur l'HC06, donc sur ce truc-là, la frame où je me trouve en tant qu'entier. Jusque ça me permet de me dire, ok, on en est là pour le moment. Display full information, c'est ce que vous avez vu ici. C'est-à-dire que de temps en temps, je peux afficher toutes les informations. Read value, bah, en fait, on vient d'être dans le loop, donc il faut lire les valeurs qu'on veut envoyer. Donc, on lit toutes les valeurs qui est ici. On fait digital read et analog read, hein, on l'a vu ici. Donc, en faisant ça, on a du coup stocké tout dans les tableaux. Maintenant, il faut convertir et envoyer, c'est ce qu'il me reste à faire. Niveau du céréal. En fait, le céréal 1, il est sur le Bluetooth. Et si jamais vous aviez utilisé celui-là, vous auriez des problèmes. Parce que le céréal 1, il permet de lire ici dans le moniteur. Donc si vous utilisez le céréal 1 pour envoyer des informations et en recevoir, soudainement, vous ne pouvez plus débugger ici. Il va falloir débugger dans le programme que vous utilisez. Ce qui n'est pas très pratique. Donc moi, je me sers du céréal 1 pour débugger. Donc ici, par exemple, vous allez voir si je mets ceci. Voilà, j'ai quand même laissé céréal 1 pour dire bah, j'aimerais bien activer ce nombre entier. Et donc ça le convertit, ça l'envoie et ça gère la chose. Par exemple, si je veux allumer la lumière 13, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 23. Alors, c'est celle-là, c'est la 23. Alors, hop, une 2, une 2, une 2, une 2. Voilà. Donc là, normalement, 1, 1, 1. J'allais voir au-dessus. On va prendre genre celle-là. Donc, Ah si, ça le fait, c'est juste que vu que c'est vert, on le voit pas fort. Je vais peut-être aller chercher dans les 40, alors, ou dans les 30, ou dans les. Celles-là, elles sont rouges, on va se souvenir. Donc, ça veut dire que
Je vais aller dans les 32. Voilà. Hop là. Vous voyez que je viens d'allumer la lumière. Et là, je vais l'éteindre. Voilà. Donc là, vous voyez que la lumière s'allume ici. Et que je vais l'éteindre. Donc ici, évidemment. Donc là, c'est pour l'allumer. On va attendre que c'est passé. Donc je l'allume. Et je l'éteins. Tadam! Magnifique. Donc basiquement, vous avez ça pour pouvoir débugger plus facilement le truc au niveau du moniteur. Mais c'est censé être du débugage. C'est pas censé être utilisé. Si vous voulez utiliser la chose, c'est plus ici, vu que Serial 1 est le Bluetooth. On va dire, bah, si je reçois des informations qui viennent de l'extérieur, on va lire byte par byte les informations. On va les stocker dans le buffer. À chaque fois qu'on reçoit un byte, on va augmenter de 1. Si jamais l'index il est supérieur à 3, ça veut dire qu'on a rempli le tableau de bytes. Et ben, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a un byte qu'on vient de recevoir. Donc on va simplement dire, ben, on convertit avec le code du dessus les 4 bytes en un entier. Et on demande au logiciel de gérer cet entier pour faire des actions ici un peu partout. Ici, vu qu'on en a trouvé un, on remet l'index à 0 et on est bon. Ici, pour la suite, c'est si jamais. Ici, c'est s'il est supérieur à 4. Mais si à un moment donné, je m'aperçois que j'ai 0, 0, 0, 0, et ben en fait, ça veut dire que j'ai eu un décalage. C'est-à-dire que, basiquement, il y a un moment donné où j'ai envoyé un byte en trop ou un byte en moins, ce qui arrive très régulièrement avec les backslash n et backslash r qui sont à la fin ici quand vous écrivez ça, il y a un retour à la ligne qui se met derrière. Et donc, du coup, si jamais je détecte 0, 0, 0, 0, ben, en fait, je remets l'index à 0 pour être sûr que le suivant, ce sera un byte. C'est ça que ça veut dire. Et donc voilà, là on arrive à la fin, donc on fait un délai de timestamp. Enfin, on fait un délai de une milliseconde pour dire on attend un petit peu. Et voilà, donc on a fait le tour du code. Désolé, c'est une vidéo un peu longue, un peu barbare, un peu crue, mais je crois que vous comprenez le principe, hein. C'est on écoute à ça qu'on va pouvoir convertir plus tard dans la suite de l'exercice. On convertit des entiers et des bytes pour pouvoir être propre à ma boîte à outils. Et du coup, on va lire et envoyer quoi. Lire et essayer de convertir, ou envoyer et essayer de convertir. Alors vous allez me dire, oui, mais envoyer à qui là? Parce que là, tu dis, oui, envoyer, envoyer, mais envoyer à qui? Vous avez du code Python, comme vous pouvez voir ici, qui est en train de s'exécuter. Et ce code Python, j'ai remarqué l'autre jour qu'on pouvait demander des informations sur le com. En fait, en C#, demander ce genre d'informations, surtout dans Unity, c'est extrêmement chiant et compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Python, c'est simple comme bonjour. Quand vous demandez, je vais l'arrêter pour que vous puissiez voir. Hop, play. Voilà, quand je reviens tout au-dessus. En fait, vous pouvez demander l'information de quel est le com, son nom, sa description. Le problème, c'est que la description, elle est jamais très très parlante. Elle va être parlante, mais à peine, genre tous les HC06, ils ont ce nom-là, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces informations-là, vous pouvez constater qu'on a VIT pour vendeur, PID pour le produit du vendeur, on a Serial Number, qui veut dire c'est quoi son ID unique, le constructeur et d'autres informations. Par exemple, pour le Arduino Mega, vous pouvez voir qu'on a son nom ici. Ce qui veut dire que si on a plusieurs Arduino Omega, il faudrait savoir faire la différence entre l'un ou l'autre. Et donc en fait, c'est grâce à ce serial number qu'on va pouvoir faire la différence entre l'un ou l'autre. Donc ça, c'est le ID unique de ce méga-là. Là, c'est le vendeur, là, c'est son ID qu'on peut comparer à Internet pour savoir qui il est. Mais ici, on a le nom du manufactureur si on veut. Le numéro ici, vous voyez que ça vient de cette partie-là. De ce HWID. Ce qui veut dire qu'on aurait pu le récupérer nous-mêmes ici. Hein. On aurait pu nous-mêmes arriver à trouver cette information-là. Mais Python nous a simplifié la vie. Ce qui se passe, c'est que dans le cas du HC06 qui est ici, vous allez voir que c'est pas le cas.
Donc on peut voir que j'ai un Arduino aussi qui est un Arduino Nano qui est connecté pour le moment et qui n'est pas utilisé. Dans le cas de notre Bluetooth, vous pouvez voir que j'ai utilisé 9, 9-8 DA machin. Et 9-8 DA machin, il est pas disponible parce qu'il est utilisé là. Hop, play. 1-1-1. Voilà, il est comme sur le COM 20. Voilà, vous voyez ici, là, ce numéro-là, en particulier, je sais que c'est le numéro de mon... Évidemment, je suis... Hop, hop, hop. Vous voyez que ici, le COM 20, c'est celui de mon Bluetooth, et je sais que c'est lui juste à cause de ça. Donc, si vous allez sur votre application Android ou iPhone et que vous allez regarder à la valeur de ce HG06, son ID, ou si vous allez dans n'importe quelle information qui vous donne des infos sur l'intérieur de ce truc, je sais que ça, c'est le numéro d'ID de l'appareil Bluetooth. Vous voyez que Python l'a pas trouvé, mais moi, je l'ai reconnu. Donc, vu que je l'ai reconnu, je l'ai copié et j'ai dit, bon, bah, tu me fais la liste de tous les appareils. Et quand tu veux, quand je te demande de me le trouver, tu parcours la liste. Si jamais son serial ID est égal à ce que je te demande, bah c'est bon, on a trouvé. Mais si parmi tous les trucs, tu n'as pas trouvé le serial ID, tu vas regarder dans HWI s'il contient mon ID. Et s'il contient mon ID, à ce moment-là, c'est mon appareil. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un conflit de deux appareils qui s'appellent de la même manière au niveau de l'ID. C'est pas parfait. Mais voilà, c'est un risque à prendre. Donc là, je vais pouvoir chercher un appareil dans la liste des appareils qui sont affichés là-bas. Très très important pour pas devoir à chaque fois mettre comme 1, comme 2, comme 3, comme 10 quand on doit se connecter. Quand je veux dire comme 1, comme 2, comme 3, comme 10, c'est ce truc-ci. Dans le temps, moi je ne savais pas qu'on pouvait avoir accès à cet ID ou ce truc-là. Et donc du coup, je devais à chaque fois mettre comme 1, comme 10, comme 20, comme 30 pour pouvoir dire c'est bien cet appareil que je veux utiliser. Avant de commencer à l'utiliser, c'est ultra relou et chiant. C'est pour ça qu'à la base, j'avais arrêté d'utiliser les Arduino Nano et Uno à cause du fait que j'avais pas leur nom d'identification. Maintenant que je l'ai, c'est déjà beaucoup plus marrant. Et donc voilà, on apparaît pour le Bluetooth. Donc ça va être trop cool parce que du coup, maintenant, je peux à chaque fois connecter sur cet appareil-là en particulier sans le préciser. C'est juste trop divin. Ce que j'ai pas fait dans ce code-là et que je vais devoir faire par la suite, c'est de rajouter de l'UDP. Pour permettre à d'autres applications de communiquer via mon script Python sur les Arduino. Et donc ça, c'est la suite de l'exercice. C'est pour ça que j'appelle cette vidéo pré-mortem. C'est en avance au cas où si je m'arrête. Donc j'explique tout ça au cas où si je m'arrête cette semaine et que je me retrouve à devoir revenir dans quelques mois. Donc ici, basiquement, on a serial, on a random time et trading. Trading, c'est parce qu'on va devoir écouter tout en écrivant. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas utilisé au final parce que ça me crée plein de problèmes. Donc pour la simplicité, je l'ai désactivé finalement. Palapalapalap. On liste, on cherche. On peut envoyer des entiers. Donc basiquement ici, c'est à screenshoter parce que basiquement, c'est comme ça qu'on fait pour convertir un entier en byte. Donc ici, je dis, hey, mon entier que tu me donnes. Je vais lui ajouter le type. Le type, c'est ici le numéro que je veux au début. Et puis je dis que je veux utiliser struct pour le convertir en un entier de type little endian. C'est comme ça qu'on dit little endian. Je prends l'entier, pouf, et là je me retrouve avec des bytes. Ces bytes, je les envoie sur le réseau et on est content, j'ai envoyé un entier. Là là là, ici pour débugger, je montre ce qui s'est passé et je montre ce qui est envoyé sous format texte. Sachant que ça, c'est le format byte. Donc je vais vous montrer si je fais play ici. Voilà. Alors ici, vous voyez que on a un format qui est envoyé ici, mais on a aussi un format qui est sous format byte. Donc ça, c'est le nombre et ça, c'est ces bytes qui sont envoyés sous format 0 à 255. 0 à 255, ouais. Et là, c'est ce qui est envoyé sur le. C'est ce qui est visible en tant que byte. Savoir que là, c'est des chiffres, mais un byte, quand il va de 0 à 255, c'est aussi un caractère UTF-8. Et en fait, ça, c'est la représentation en caractère de ce nombre, de ces nombres-là. Donc, ça, c'est des chars.
Ça, c'est le nombre, ça, c'est Secha, et ça, c'est la version entière. En version entière Little Endian. C'est pour débugger à tout ça, donc je pourrais les désactiver, mais pour débugger, je les ai laissés. Ici, ça permet d'envoyer l'entier. Ça permet d'envoyer 0, juste 0. C'est la fameuse chose où je dis qu'il faut que j'envoie 4 fois 0 pour y arriver. Donc ici, je dis bah vas-y, tu me crées un Little Endian package d'entier de 0, ce qui veut dire 0, 0, 0, et on peut l'envoyer. Sachant qu'à mon avis, dans l'autre, j'ai juste fait envoyer avec un for. Alors, le truc, c'est que ça, c'est quand on veut envoyer en entier spécifique. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est envoyer un entier qui presse et qui relâche. Vous voyez que ici, j'ai dit, bah, si je veux pousser, je mets 1000 en plus. Si je veux relâcher, je mets 2000 en plus. Et là, ça veut dire relâcher. Je fais débuter par 0 et puis j'envoie l'entier, basiquement. Quand je veux envoyer un entier tout court, sending tigger to port, ouais, celui-là, il faudrait que je le renomme. Mais basiquement, si je veux envoyer, c'est press and release, c'est plus sending tigger press and release. À ce moment-là, ça va envoyer l'entier, attendre un peu, relâcher l'entier, attendre un peu. Sachant que vous mettez au-dessus la valeur que vous voulez pour le temps de pression et le temps d'attente entre les différents boutons. Ça se met ici au-dessus dans mon script pour le moment. Et donc voilà. Là. Ça c'est si vous voulez envoyer des trucs aléatoires pour pouvoir vérifier que tout marche bien. Donc là on arrive dans le main programme où on fait hey, liste-moi l'appareil, trouve-moi celui que je t'ai demandé. Si tu l'as trouvé, bah, affiche-le et crée-moi un serial port, donc une communication serial port. Voilà son nom, voilà sa vitesse de baud rate. Alors ici, vous voyez que j'ai mis ça comme ça me permet de changer rapidement. Mais basiquement, ça c'est la vitesse maximum que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aller plus loin, mais c'est un peu chaud. Mais sur un port USB, c'est bien. Pour certains appareils, moi c'est celui que je vais utiliser parce que je communique avec un HC06 qui est lent. Le Bluetooth, c'est lent, et quand c'est pas lent, ça perd des données. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on passe dans une boucle sans fin. Dedans, à la base, j'envoyais des trucs aléatoires, là j'ai plus besoin, donc je l'ai mis en false. Pour toujours, je vais de 22 à 54. 54 parce qu'en fait, ici, si vous regardez, c'est exclusif. Donc ici, vous voyez qu'il est mis start inclusif et exclusif pour le stop. Donc, en gros, vous allez louper le 53 si vous ne faites pas ça. Donc de 22 à 53, je prends l'entier, je prends le port et je lui dis bah on va envoyer cet entier là en particulier, donc genre 22. Et vu qu'on a dit qu'on allait rajouter le type et le fait de pousser, bah, en disant ça, c'est bon, j'ai d'envoyer 13 000, enfin le 13 000 1022, puis 2022. Donc ça, c'est en train d'envoyer et d'attendre. C'est ce que vous voyez ici. Le dessin, il sert à rien. C'est juste moi qui avais mis ça parce que j'avais mis une zone vide la fois avant. B égale open port read all. Bah, en fait, une fois que vous avez envoyé tout chez le gars, vous avez peut-être envie de vérifier que vous n'avez pas reçu des messages. Normalement, on est censé vérifier en permanence, pas juste ici. Donc ce code est dégueulasse. C'est juste un code temporaire en attendant pour réussir à faire tout ça. Et basiquement ici j'envoie tout. Et en fait à chaque fois que j'ai fini d'en envoyer un, je regarde si j'ai reçu quelque chose. Et si j'ai reçu quelque chose, à ce moment-là, je regarde. S'il est supérieur à 8, supérieur ou égal à 8 en longueur ce que j'ai reçu, et que c'est pas et que c'est pas 0,0. Attends, n. Ah oui. Si ce que j'ai reçu est supérieur à 8. C'est pas terrible ça. C'est pas une bonne chose, mais c'est juste temporaire en attendant que j'y arrive et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée du tout. Donc basiquement je dis lis tout ce qu'on m'a envoyé. Mais à ce moment-là, il faut que le gars m'envoie tout en un coup. Ce qui n'est pas le cas. Tu prends la longueur de ce qu'on m'a envoyé. Si c'est 8 de longueur, bah, ça veut dire que les 4 premiers c'est des zéros pour dire bah c'est bon, il y a un bail qui suit. Et puis les 4 suivants, bah, ça va être mon chiffre, donc je coupe de 4 à 8, donc je prends les 4 suivants, je le convertis en Little Endian, je le stocke dans entier et je dis de gérer cette situation.
Et c'est ce que vous voyez ici, quand les mi-receive, ici les mi-receive machin, bah, en fait c'est les nombres qui sont envoyés par frame, pour savoir à quel frame je me situe. C'est le fameux ce nombre-là. Et donc voilà. Ici on attend un peu. Donc voilà, ce code n'est pas parfait. Ce qui est surtout intéressant dans ce code-ci, c'est vraiment cette partie du on liste les ports pour avoir ce serial number qui me sera utile ou ce HWID. Quand on a ça et qu'on a ça, on va pouvoir le donner à ce qu'on veut sélectionner, le chercher et le trouver pour pas devoir à chaque fois tout relier, quoi. Donc c'était vraiment ça qui était intéressant dans ce code-ci, quoi. Le reste, c'est juste. Bah oui, il y a la conversion en entier qui est intéressante aussi. Mais le reste, c'est juste du code vite fait pour tester le Arduino, quoi. Et donc voilà, cette vidéo est assez longue, 45 minutes, mais c'est un pré-mortem. Donc il y a plein d'informations intéressantes. Si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, bah, prenez-le. Moi, ça me faisait vraiment marrer de faire des tests toute la soirée avec ce truc à souder là-bas. Cette vidéo aussi, je mets pas toutes les photos parce que c'était un rapide pré-mortem. Mais évidemment, je vais prendre le temps de décortiquer un peu tout ça et de faire des vidéos sur comment gérer tout ça. Parce que c'est intéressant à mort. Et si j'ai fait de la soudure et que je les ai branchés, c'est parce que j'ai envie d'avoir ça disponible pour moi-même. Donc, ce qui serait cool, c'est de faire une impression 3D ici pour que je puisse mettre ça correctement, tout ça dans une boîte. Je puisse le transporter plus facilement qu'avec ce matelas-là, parce que c'est des matelas avec des punaises, là. Je sais pas si vous avez vu, mais ça, c'est des punaises, et c'est ça qui me permet de maintenir les choses. Mais donc, voilà. J'espère que ça peut vous être utile si vous avez regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous allez copier-coller des trucs. Et que le code soit avec vous. Passez une bonne soirée. Moi, je vais aller dormir. Allez, ciao, ciao!